la parole. Mettez-vous debout maintenant pour lire la parole. Donnez-moi maintenant votre attention. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc, le chapitre 22. Excusez, Marc chapitre 11, le verset 22, Marc chapitre 11, le verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Jean, le chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Pour vous asseoir, mes amis. Bien. Nous allons donner un enseignement que nous avons intitulé « La manifestation du troisième pôle ». Et nous allons essayer d'expliquer le troisième pôle pour les nouveaux. Le pôle, c'est en anglais. Ça veut dire attraction ou traction. Action de tirer vers soi. C'est ça qu'on appelle pôle. Comme William Branham, Dieu l'avait manifesté aux États-Unis. Et c'est en anglais qu'il prêchait. Et il avait parlé de pull. Pull veut dire action de tirer vers soi. Traction. Donc quelque chose qui attire l'attention des gens. Action de tirer vers soi, ça qu'on appelle pôle, traction. Comme on dit, quelle attraction y a-t-il là-bas? Pourquoi les gens vont là-bas? La foule vont chercher quoi là-bas? Il y a quelque chose qui les attire. Action de tirer vers soi. Et William Branham a eu trois pôles. Les trois pôles, nous voyons... Non, je vais utiliser, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas vraiment souffrir. Bien, ok. Donc, pôle veut dire action. Là, ça va, non? Bien. Pôle veut dire action de tirer vers soi. Et William Branham, on a eu trois pôles. Donc, trois actions qui a attiré les gens vers William Branham. Trois tractions. Et les trois là, nous avons le premier
Paul, qui a attiré les gens vers William Branham, c'était la guérison. Quand il imposait les mains aux malades, c'est que l'ange lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne pourra pas résister. Et on a vu dans le ministère de William Branham, comment à Durban, des camions de béquilles, on a vu à Bombay, beaucoup de miracles, et les gens venaient de partout et suivaient William Branham. Et à partir de là, les gens ont commencé à dire que William Marion Branham, c'est un prophète. Il a eu aussi un deuxième pôle ou traction, une action qui attirait les gens vers lui, c'était le discernement, la prophétie. La prophétie aussi avait attiré beaucoup de gens autour de William Branham. C'est là où William Branham pouvait tourner le dos et il te dit d'où tu sors, tu habites dans quel quartier, avant de venir tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'était le deuxième pôle qu'on appelle la prophétie. Or, le sujet de ce matin, c'est la manifestation du troisième pôle. La conférence des fils et filles de Dieu. Le premier pôle de William Branham et le deuxième pôle de William Branham a formé beaucoup des églises. C'est là où nous avons aujourd'hui des prophètes qui donnent aussi les prophéties. Je vois, tu viens de ceci, tu fais ceci. William Branham aussi l'avait fait. Et cela a attiré beaucoup de gens. Et nous avons beaucoup des églises du message Tabernacle X, Tabernacle Y, Tabernacle M, Tabernacle O. Et toutes ces églises-là sont venues à partir de ces deux pôles de William Branham. Même le troisième pôle aussi. Voilà comment William Branham était reconnu dans le monde comme prophète à cause des miracles, des guérisons, à cause des prophéties. Et il a eu beaucoup de gens. Et jusqu'à nos jours, il y a ceux-là qui sont restés avec le premier pôle de William Branham, le deuxième pôle de William Branham, les prophéties, les maisons des dons, tout ce que vous voyez chez les prophètes pentecôtistes. Je vois ceci. Voilà, ça c'est la prophétie. Et il y a eu aussi le troisième pôle. Maintenant, le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Le troisième pôle, ce n'est pas la guérison de la chair. Le troisième pôle, ce n'est pas la prophétie, parce qu'il y a des gens qui prêchent le message, ils pensent que le message, le sommet du message, Branham a tourné le dos. Il a connu les pensées du cœur. Ça, c'est le deuxième pôle. Ça, c'est la prophétie. Beaucoup des églises dénominationnelles aujourd'hui font la même chose. Mais le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Nous avons lu, Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc, c'est la vérité qui rend l'homme libre. Dites amen. Jésus n'a pas dit, vous prophétiserez. Non. Vous chasserez les démons. Non. Mais l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est seulement la vérité qui peut rendre l'homme libre. Et le troisième pour, c'est l'ouverture de la parole. C'est les vérités, mystères révélés. Donc, s'il n'y a pas le troisième pour, il n'y a pas la liberté. C'est les vérités, mystères. Allez-y, mes amis. Les vérités, mystères. Ok. Ce messager fera deux choses. Premièrement, il ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères, la Pentecôte. Les deux pour guérison, prophétie, virgule. Deuxièmement, il révélera les mystères contenus dans les sept sceaux. Ce sont les vérités mystères. Alléluia. De cet tonnerre qui rendra les fils de Dieu libres. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu dit à frère Branham, quand il a eu la vision de la chaussure d'un enfant et le lacet d'une grande personne qu'il voulait introduire, Dieu lui dit, il ne peut pas être attrapé par le premier poule. Le premier poule va attraper les petits poissons. Le deuxième poule va aussi attraper des petits poissons. Mais Dieu dit à Branham, jette ton maison dans les eaux profondes. C'est le troisième poule qui va les attraper. Donc, vous n'allez pas attraper un fils de Dieu avec les sic. Non. Vous n'attraperez pas un fils de Dieu parce qu'il a prié un boiteux au marché. Non. Dites amen. Dites encore amen. Mais vous attraperez un fils de Dieu quand il aura la connaissance de la vérité. Et ça lui rendra libre. Parce que le premier poule a fait des religieux. Les gens ont élevé William Branham. Dites amen. Le deuxième poule aussi a fait des religieux. Quand quelqu'un a un don de prophétie, les gens sont autour de lui. Prophète, papa. Dites amen. Mais le troisième poule, c'est pour manifester les fils et filles de Dieu. Leur montrer leur véritable identité. Vous connaîtrez la et la vérité vous a franchi. Voilà. Donc nous sommes censés connaître la vérité. Et la vérité, c'est l'ouverture de la parole. Les vérités mystères révélés. Alléluia. Alléluia. Là, il n'est pas question d'une église. Il n'est pas question de l'organisation. Là, il est question des fils et filles de Dieu. Il n'est même pas question des chrétiens. Mais il est question de l'épouse. Et l'épouse, ce n'est pas la chair et le sang. C'est votre théophanie. C'est pour cela ce soir,
le Saint-Esprit va se révéler à un fils. Et que le Fils de Dieu puisse dire amen à la vérité. Alors, à ce moment-là, tu auras la liberté. Écoutez, mes amis, je veux déclarer les choses fortes. Mais si vous croyez n'importe quel démon, je dis bien, à la fin, quand tu vas sortir, si même tu étais venu ici avec un fardeau, avec une maladie de l'âme, que tu n'arrives plus à faire la connexion avec Jéhovah, ce soir, la connexion va revenir. Celui qui était faible, ce soir, il sera fort. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous rendra. Voilà. Le slogan de William Branham, c'était Hébreux 13:8. Mais ça, c'est le slogan de l'apôtre. Non. De votre frère Bateta. Le juge. Bien. Donc, ça, c'est mon slogan à moi. William Branham, c'était Hébreux 13:8. Ça, c'est la signature. Mais moi, ma signature, vous connaîtrez. Et la vérité vous rendra. Ah! Donc la liberté, ce n'est pas les jeûnes. Ce n'est pas les veilles de prière. Ce n'est pas les nuits de prière. Et dites amen. Mais c'est le fait de reconnaître quoi? Et Daniel avait dit quoi? Ceux qui comprendront brilleront. Dites amen. C'est même la vérité qui va te rendre blanc, qui va t'amener de ne même plus avoir de péché, de lâcher le goût du péché. Quand Dieu va te révéler qui tu es et qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Dites amen. Voilà. Donc ce soir, c'est pour révéler la vérité des mystères révélés. Or, dans le message, les gens font du bruit autour de quoi? Des guérisons et des dons. Et c'est ça, ils sonnent la trompette. Et ça attire aussi les gens. C'est l'action de tirer vers soi. C'est aussi l'attraction, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas attirer un fils de Dieu avec ces histoires-là. Le fils de Dieu sera attiré par les vérités mystères révélées. C'est ça le troisième pôle. Dites amen. La connaissance. Savez-vous que la connaissance est un pouvoir? Celui qui a la connaissance est dangereux. Bien, projette-moi d'abord la citation. Les soins du temps de la fin. Écoutez. Bien. Remarquez le jour où même ce message est trois points. Pas quand il est à ses débuts. Pas quand Branham a commencé dans ses débuts. Bien. Mais quand il commence à annoncer son message. Dès que dans son début, ce n'est pas le message. Donc, tous, dites amen. Tous ceux qui sont dans le message ne sont pas dans le message. Voyez, le premier pôle, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture. Les mystères. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous rendra quoi? Bien. Il n'y a rien de plus élevé comme rond pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose pour laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Arrête-toi d'abord là. Le prophète n'est pas confirmé que les prophètes par les miracles, ni par les prophètes.
prophétie. Mais c'est par là. Vas-y. Et rappelez-vous, le troisième pôle, c'était l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose-là doit arriver. Non, ça on peut, ça va. On peut s'arrêter là. Voilà. Voilà la vérité. L'ouverture de la parole. Est-ce que les gens insistent sur la vérité révélée? Sur les mystères révélés? Ils insistent sur les deux poules. Quoi? La chair et l'esprit. Or, le troisième poule, c'est l'âme. L'âme ne jeûne pas. L'âme ne fait pas de veillée. Mais l'âme croit. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Deuxième citation. Tournez le regard vers Jésus. Suivez bien, mes amis. Et chacun sait, en effet, qu'on est sûr que le premier a été identifié. Ça veut dire que le premier poule a été identifié. Le deuxième aussi a été identifié. Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes spirituel, comment? Donc, dans le message, il faut aussi être spirituel pour comprendre les choses. Si vous réfléchissez bien, vous qui êtes comment? Bien. Comme la Bible dit que celui qui a de la sagesse, le troisième poule est très bien identifié. Dites amen. Voyez, nous savons ce qu'il en est. Donc, allons-y ensemble. Trop malembe. Donc, le troisième poule est ici. 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 Bien. Ce que le troisième poule, ce n'est pas quelque chose d'affaibli. Parce qu'il y a des églises qui pensent que le troisième poule se manifestera dans le futur. Mais Branham me dit, le troisième poule est ici. Qui croit que le troisième poule est ici? Est-ce que vous le croyez? Le premier poule a eu sa manifestation. Le deuxième poule a eu sa manifestation. Mais le troisième poule aussi doit avoir ça. Cette vérité-là qui doit être révélée aux fils et filles de Dieu, c'est quoi? C'est l'ouverture de la parole, n'est-ce pas? Écoutez, allons dans les types. Dans Genèse, le chapitre 3, il y eut un frère appelé le serpent. Ou un prédicateur, le serpent. Ou un prophète, le serpent. Pour faire douter Ève ce qu'elle était, c'est un ange, Lucifer, Satan, le diable, qui s'est incarné dans le serpent. Le serpent d'autrefois, ce n'était pas un reptile, mais un homme qui avait deux pieds. C'est le chaînon manquant entre l'homme et le saint pongé. Il parlait. Branham dit qu'il était comme un homme. Ce qui lui manquait, il n'avait pas d'âme. Mais il avait le cœur. Dites amen. Dites encore amen. Alors l'ange descend. Il s'incarne dans le serpent. Et le serpent vient faire douter Ève, sa position. Ça veut dire, le serpent amène une autre connaissance. Est-ce que Dieu
a réellement dit, si vous mangez cet arbre, vous mourrez. Oui, Dieu a dit, nous allons manger les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, il a dit, ne touchez pas et ne mangez pas. Le serpent réplique, Dieu connaissait. Si vous mangez cet arbre, vous deviendrez des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, Ève était déjà Dieu. Et l'ange Satan vient faire douter ce que vous êtes. Et Ève, qui voulait être Dieu, a mangé. Et le péché est rentré. Ève était tombée. La mort est rentrée et l'homme a perdu sa position. Maintenant, c'est la correction de ce qui s'était passé en Éden là-bas. Et le Saint-Esprit, ce matin, ce soir, va corriger la chose. Là-bas, on a fait douter Ève ce qu'elle était. Mais dans l'Apocalypse 10, là c'est Michael qui descend, pas Satan, pas Lucifer. Michael descend avec un livre ouvert. Dites amen à cela. Est-ce qu'il chasse l'homme? Il dit quoi? Mange le livre. Dites amen à cela. Alors écoutez l'enseignement du troisième Paul. Je suis venu pour te dire que toi tu es Dieu. Non, vous n'avez pas encore compris. Je suis venu te dire que toi tu es Dieu. La chose que l'homme avait perdue en Éden, le livre, le titre de propriété, dans l'Apocalypse 10, il descend cette fois-ci. Quelle connaissance? Je te dis, tu n'es pas un être humain. Le Saint-Esprit va corriger. Au temps de William Branham, l'ange est descendu, s'est incarné dans William Branham, non pas pour décourager. Non, il est descendu pour nous encourager, pour nous dire que nous sommes capables, que tout est possible à toi, par Dieu. Le troisième pour, il n'est pas question du pasteur, il n'est pas question du prophète, mais il est question des frères et sœurs de Jésus. Hein, dites amen à cela. Dites encore amen. Le serpent a fait douter Ève. Ève a cru, elle est tombée, n'est-ce pas? Ça veut dire Ève avait dit amen. Toi aussi, ce soir, la connaissance que je t'amène, que toi tu es Dieu. Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu dit, tu domineras sur tout ce qui se met sur la terre. Dites amen. Dites encore amen. Est-ce que la rédemption a déjà pris fin? Est-ce que le livre est restitué? Maintenant écoutez mes amis, cela veut dire, tu domineras. Qu'est-ce qui t'a dominé autrefois? C'est toi qui dois dominer ça. Frère Branham dit, nous sommes créés. Vous connaissez ça? Nous sommes créés pour contrôler, régner, louer Dieu et vivre. Donc, si tu ne contrôles pas encore, tu ne règnes pas encore, c'est que tu n'as pas encore cru les tonnerres. Tu n'en as pas encore cru. Mais
mes amis, fini l'évangile des pasteurs. C'est l'évangile des fils et filles de Dieu. On appelle ça l'évangile éternel. Les mystères révélés. Et dans tous les mystères, c'est ramener l'homme à la position initiale. Et c'est là où je vais vous ramener ce soir. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu n'étais pas créé pour que les démons dominent sur toi. Tu étais créé, toi, pour régner. Pour, dites amen. Pour contrôler. Pour louer Dieu. Et vivre pour Dieu. Le péché ne doit pas te contrôler. Les sorciers ne doivent pas te contrôler. Je ne veux plus entendre avoir peur de la sorcellerie. Parce que toi, dites amen, tu es un fils de Dieu. Les cieux sont ouverts. Les mystères sont révélés. Et le fer battant de tes têtes te dit, tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un oiseau. Tu n'as pas l'instinct. Mais tu as une âme qui a été créée à l'image de Dieu. Amen. Regardez la science. Dès que la science avait découvert l'électricité, c'est à partir de là que la science a évolué. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas l'électricité. Dites amen. Dites encore amen. Ils ont découvert l'énergie. Maintenant, nous avons découvert. Dites amen. Dites encore amen. On a découvert que le livre qu'Adam avait perdu. L'ange m'a dit de manger ça. Et si je découvre ça, je dois m'épanouir. Spirituellement. Dites amen. Dites encore amen. La vérité. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous rendra quoi? Le but du diable pour t'affaiblir, c'est de faire douter ce que tu as. Ce soir, renversez le raisonnement. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. S'il vient te chuchoter pour te montrer ta faiblesse, montre-lui le sang de Jésus. J'aimerais d'abord ôter l'incrédulité. Vous savez, dans des églises, le premier, deuxième pot de William Branham était très dur. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il avait dit, je prêche durement contre les cheveux coupés. Durement. Mais quand je voyage, je reviens. C'est pire qu'avant. Vous n'allez pas convertir les gens par l'autorité du christianisme. La loi produit les hypocrites. Mais la conversion doit commencer à l'intérieur là-bas. Où un frère n'a pas de policier. Mais la voix du cœur lui parle. Sa propre théophanie lui dit de ne pas pécher. Ce n'est pas, dit amen. Ça ne vient pas de l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Oh, dit amen. Dit encore amen. Le troisième poule. Le troisième poule. Le troisième poule. Ok, donc nous allons voir maintenant la manifestation du troisième pôle. C'est que le troisième pôle a ça. Bien, c'est ça que je vais enseigner. Je vais vous parler de cinq manifestations du troisième pôle.
en rapport avec votre propre vie. Pas en rapport avec la vie de Jésus. Croyez-vous que la vie de William Branham, c'est la parole aussi? De la même manière, on peut prendre une écriture ici de la Bible et commencer à mettre ça en rapport avec vous. Paul a imposé les mains. Les gens étaient guéris. Toi aussi. Regardez, Myriam a prophétisé. Nous aussi. Le jour de la Pentecôte. Voilà. Mais nous, nous allons prendre les cinq manifestations. Et le chiffre 5, c'est la grâce. Et le nom de Jésus porte 5 lettres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chef de quinté. Voilà. 5. 5. La grâce. Dites amen. 5. Le nom de Jésus. Et je vais prendre les 5 manifestations pour te montrer la grâce du troisième poule dans ta propre vie. Et ce matin, j'aime le matin, ce soir, si tu dis amen, Branham dit, même pour qu'un fils soit adopté, ce n'est plus jeûner, veiller, non. Pour qu'il soit adopté, c'est l'obéissance et dire amen. Parce que, regardez, le baptême du Saint-Esprit, tu es né. C'est une naissance. Ok? Et pour être né de nouveau, tu as jeûné, tu as dit, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Oh Dieu, tu es où? Oh vraiment Seigneur. C'est là, tu es culpabilisé, tu pleures, tu gémis. Après, Dieu donne le Saint-Esprit. Bon, pour l'adoption, tu n'as plus encore dit, oh Seigneur, tu es où? Non, 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 tu es déjà né. Maintenant là, c'est là où nous arrivons au troisième pôle. Dire amen. Et avoir l'obéissance à la parole. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Bien. Maintenant, là où nous avons lu, Jésus avait besoin des figues. Il avait faim. Il avait un besoin. Il va manger les figues. Il regarde le figuier, il ne trouve rien. Jésus parle. Plus jamais on ne mangera de tes fruits. Jésus parle. Jésus ne prie pas. Jésus ne jeûne pas. Jésus parle. Je vais enseigner quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas parler de ça. Jésus parle. Il s'en va. Le lendemain, 24 heures, pas à l'instant, le figuier avait séché. Maintenant, William Branham dans la forêt pensait à cette écriture. Où Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Branham pensait à ça. Il dit, comment cela est possible? Il dit, je pensais que c'était les montagnes, la maladie. Mais après, j'ai compris, ce n'est pas la maladie. Jésus parlait de la montagne. Et William Branham, étant le prophète, la gerbe agitée, pensant à ça, Dieu dit à William Branham, mais tu cherches des écureuils? Oui. Alors, parle. Donc, pensons à l'écriture de Jésus. Ok?
Vous connaîtrez la vérité? Pensons à l'écriture de Jésus qui parla et l'herbe avait séché et Jésus avait dit à ses disciples, vous aussi, si vous dites à cette montagne, au toit de là, et vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez. Et William Branham pensait à ça. Jésus n'a même pas dit au nom de Jésus. Jésus dit amen. Il n'a pas dit si vous dites à mon nom. Parce que je veux vous amener au-delà même du nom. Vous allez me comprendre très bien, mes amis. Nous allons relire le texte là. Les églises, au nom de Jésus, ce n'est pas mauvais. Dites amen. C'est le nom de la famille, n'est-ce pas? Je peux aussi dire au nom de Jésus, c'est le nom de la famille. Mais cette écriture ici, Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez. Il a dit, si vous priez, si vous jeûnez, voilà. Ça, c'est l'évangile des deux poules. Mais ici, nous parlons de la manifestation du troisième poule. Amen. Et frère Branham dit, je ne pourrais pas dire à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que moi-même je n'ai pas encore fait. Si je peux prêcher ceci, par la grâce de Dieu, j'ai de l'expérience. Dites amen. Ok. Alors, Branham créa les écureuils par la parole. La manifestation du troisième poule, c'est la création par la parole. La manifestation du troisième poule, c'est pas imposer les mains. Mais créer. Dites-moi, Jésus avait maudit le figuier. Pourquoi il avait maudit le figuier? Voilà, quelque chose lui manquait, n'est-ce pas? William Branham créait les écureuils parce que... Ah, très bien. Or, toi aussi, tu as faim de quelque chose. Toi aussi, tu as un besoin. Jésus avait besoin de manger les figues, il a maudit. C'est qu'un fils de Dieu peut parler la chose sèche. Il a aussi le pouvoir de parler la chose via l'existence. Maintenant, écoutez très bien. Toi aussi, toi tu n'as pas besoin des écureuils. Même d'abord ici, les écureuils, c'est la forêt. Nous ne prêcherons pas l'évangile. L'écureuil devient un type pour nous. Si le troisième poule est ici, et toi tu as un besoin, pourquoi crier? Prononce la parole. C'est mon alliance. Elle est... Est-ce que les gens croient ce que Branham a dit? Le troisième poule est-il? Tu as aussi un besoin. Tu as un besoin. Toi, tu n'as pas besoin des écureuils. Non. Mais tu as un besoin tel que tu es là. Maintenant, pourquoi ne pas parler comme Jésus, comme Branham, ce qui était impossible au cours des âges, aujourd'hui, c'est possible. Je veux vous enseigner pas à pas. Vous allez comprendre pourquoi les gens sont dans l'ignorance. Mon ministère à moi, ce n'est pas prêcher, mais conscientiser. Le temps de prêcher avait pris fin. Parce que prêcher, c'est culpabiliser les croyants. Or, les mystères, on ne les prêche pas, on les enseigne.
Et moi, je ne fais que conscientiser. C'est-à-dire te rendre conscient. Comme quelqu'un. Dites amen à cela. Parce que frère Branham dit, quand quelqu'un a l'amnésie, a-t-il de l'amnésie, pour le guérir, ramenez-le seulement là où il a vécu longtemps. Et moi, je vais te ramener là où tu avais commencé. Je ne te ramène pas à la Pentecôte. C'est pas là où tu as commencé. Je te ramène en Éden là-bas. C'est que tu étais. Il parle. L'écureuil est venu à l'existence. Et il a créé les écureuils deux fois. Cinq écureuils deux fois. Mes amis, donc Dieu le faisait avec Branham pour plaisanter. Et William Branham nous a dit, tournez le regard vers Jésus, ramène la citation. Il faut qu'on rentre, que ça soit calmement. Je veux vous montrer ce qui, bien. Et chacun sait, en effet, qu'aussi sûr que le premier a été identifié, le deuxième aussi a été identifié. Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes, comme la Bible dit, que celui qui a de la sagesse, le troisième est très bien identifié. Voyez, nous savons ce qu'il en est. Donc, cela veut dire la chose que Adam avait perdue. L'autorité, le pouvoir que Adam avait perdu est ici. Bien. Frère Branham, après l'ouverture des seaux, il prêche la foi parfaite. Il dit, c'est une autre dimension de foi. Il dit, cette même foi-là, c'est même ça, la matière de l'épouse. Il dit, quand tu as cette foi, cela veut dire, tu es dans la condition nécessaire pour être enlevé. Maintenant, écoutez. Jésus a dit, si vous avez la foi, les gens ont enseigné la prière. Prier, moto, feu, prier, prier. Écoutez-moi très bien. La prière n'est pas la volonté parfaite. La prière, c'est une volonté permissive. Adam ne priait pas. Adam parlait. La prière est venue après le péché. Cela veut dire que c'est la volonté permissive. Et quand les seaux s'ouvrent, on nous ramène à la volonté parfaite. Et les gens ont enseigné. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. Tu peux prier. Si tu ne crois pas, tu ne recevras rien. Frère Branham dit, chaque action de Dieu se produit par la foi. Sans la foi, il est impossible, il est agréable. On n'a pas dit sans la prière. Quelqu'un peut prier 5 minutes, mais il a la foi. Oh, le domaine de parler, c'est là. Tu parles, frère. Écoutez, allons-y. Je vais prendre simplement. Je vais prendre simplement. Toi, quand tu es en train de prier, tu pries pendant 7 heures. Ok? À la fin, tu utilises la foi que tu as reçue, n'est-ce pas? Bien. Moi, j'utilise la même foi, mais je ne prie pas pendant 7 heures. Mais je crois déjà. Nous aurons le même résultat. Ah. Les Pentecôtes.
quand ils ont enseigné plus quoi? La prière. Oh, le troisième, dit amen à cela. Le troisième, dit amen. Amen. Frère Branham dit, sans les sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. C'est que le tonnerre produit une certaine foi. Et c'est cette foi que je vous prêche. William Branham dit, attendez que les sept tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui pourront prendre la parole et la manier. Après prier, après jeûner, ils pourront faire ceci, faire cela, couper et trancher. C'est la foi. Et dites amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Oh, pour avoir la foi, il faut d'abord croire en soi-même. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, au toit de là, et vous ne doutez pas dans votre cœur, c'est le cœur, vous ne doutez pas, vous le verrez. Bon, non, cette écriture n'est pas enseignée. Les gens seulement, frère, comme à la Pentecôte, venez, nous allons jeûner, nous allons prier. Feu descend. Ça, c'est les bébés pentecôtistes. Mais l'épouse parle. Et tu crois que ce que tu as dit va arriver. Et celui qui fait 5 ans de la prière, et moi qui crois seulement à ce que j'ai dit, moi je recevrai plus que lui. Et le troisième pôle, sa manifestation, c'est créer des choses qui n'existaient pas. C'est quand on est dans le besoin. Tu as besoin de quoi, mon ami? Parce que je parlerai de 5. William Branham créa les écureuils 2 fois. Nous avons déjà les 2 manifestations du troisième pôle. Maintenant, toi, tu as besoin de quoi? Je te pose la question. Tu as besoin de quoi? Je ne te demanderai pas de jeûner, mais de croire. Avoir la foi. Frère Branham dit, les disciples avaient la puissance, mais ils étaient incapables de manifester la puissance parce qu'ils n'avaient pas la foi. Virgule. Et il dit, nous avons la puissance ici. Oh, Branham tabernacle. Oh, épouse, il vous manque la foi pour manifester. Toute la puissance qui a créé le ciel et la terre. Frère Branham dit, cette puissance se trouve dans les fils et filles de Dieu. La puissance créatrice est en vous. Ce qui vous manque, c'est la foi. Parce que tu ne te crois pas que tu peux parler. D'abord créer. Dites amen. Dites encore amen. Le troisième pôle, il n'y a pas de lamentation. Il n'y a pas de pleurs. Non. Le premier trône était au ciel. Le deuxième trône dans Jésus. Le troisième trône en vous. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Pour adorer. Être adoré à travers l'homme. Dieu n'est plus au ciel. Dieu est en vous. Le septième sol le ramène sur la terre. Ce qui te manque, c'est parler. Quel miracle moi je fais? Ou je peux dire à quelqu'un, si tu vas sortir de l'hôpital, les médecins viennent le faire sortir. Ou quelque chose se perd en France là-bas. Pièce d'identité. Cherchez. On m'appelle. J'ai dit, tu vas retrouver ça à l'endroit visible où tu ne chercheras plus. La personne va retrouver. A dit, juge que je ne t'adore pas. Parce que je trouve que c'est compliqué. Mais que Dieu me garde que je ne t'adore pas. Mais ce n'est pas qu'elle va m'adorer. Toi aussi, tu peux le faire.
habitué avec l'imposition des mains. Comme tout le monde impose les mains, et nous, nous sommes là. Troisième poule. Avec un troisième poule, il n'y a pas l'imposition des mains. C'est une foi. Quelqu'un. Mets-moi d'abord le test, mon ami. Mets-moi le test. Non, non, non. Marc. Mets-moi le test. Suivez. Vous allez maintenant partir dans les réseaux sociaux. OK? Checkez dans l'internet. Regardez, vérifiez combien des églises prêchent ça. Amenez les croyants à prononcer la parole, pas imposer les mains, et à se croire en soi-même. Ils amènent les croyants à la Pentecôte. Mais pourtant, les vérités mystères sont révélées. Moi, n'en jamais est retrouvé. La rédemption est terminée. La chose qu'on avait perdue nous est remise. Maintenant, on doit vivre selon nos privilèges. Lisez les sceaux, mes amis. Écoutez les bons des sceaux. Frère Branham dit, l'église vit sous ses privilèges. Mes amis, Branham nous dit, si avec la foi de la guérison divine, vous ne croyez même pas ça, comment croirez-vous à la foi des tonnerres? Écoutez Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en... Ici, il n'y a pas prière. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Point. C'est pourquoi je vous dis tout ce que... Donc, et celui qui prie. C'est pour cela que je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Même prier, vous devrez croire. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Mais la réponse au sujet du figuier, ce n'est pas ça. C'est ici. Si vous dites, ici, ce n'est pas Dieu qui dit. Ce n'est pas le pasteur qui dit. Ce n'est pas Branham qui dit. Ce n'est pas Jésus qui dit. Mais toi, tu as quel souci? La réunion d'aujourd'hui, que nous avons appelée conférence des fils et filles de Dieu, tu dois recevoir la solution à son problème. Toi-même, ici c'est la création des écureuils. Tu as besoin de quoi toi? Qu'est-ce qui te manque? Jésus a failli maudire le figuier. Branham a failli craindre les écureuils. Bon, toi tu as faim. Tu es aussi fils de Dieu. Croyez-vous que vous êtes les frères de Jésus? Quand les gens continuent seulement avec le nom de Jésus, le nom de Jésus, ils sont des frères, mais les vrais frères de Jésus, de la famille. C'est ceux-là qui parlent. Et qui parle? Un fils de Dieu. Dites amen. Je peux rentrer dans un magasin. On ne vend rien. J'ai dit, on a rien touché. On a vendu, c'est oui. Bah écoutez, le fauteuil ici, ça fait trop longtemps ici. On va acheter ça. Je m'en vais. On vient acheter le fauteuil qui a fait des mois et des mois. Des choses qui peuvent disparaître. Je parle. Dieu le ramène à la place. Toi aussi, tu es fils de Dieu. Vous savez c'est quoi? Les églises ont amené les croyants de compter juste sur le pasteur. C'est ça qui rend les pasteurs orgueilleux, importants. C'est comme si vous, vous êtes juste les serviteurs et Yazamon Anjambé. Pas au royaume. Dans le royaume, et moi, et vous, nous sommes égaux.
D'abord, je vais plus loin. Frère Branham dit, nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Tu es fils de Dieu. Ah, si tu ne veux pas croire, ça te regarde. Hein. Mais moi, je ne veux pas te décourager. Parce que le mystère ne doit pas te décourager. Pour que tu aies la foi, on doit te dire que tu es capable. Que tu peux y arriver. J'aimerais la réunion suivante, quand vous viendrez ici, que tu donnes un témoignage. C'est pour cela que je n'aime plus les témoignages. Oh, mon Congo, passe, va s'emmêler. Non. Oh, les boum, vous savez, même frère Branham, il est arrivé à un niveau, il dit, Billy Paul, ne m'amenez pas de petites maladies là. Bon, ma bateau, badan, passe à ma casse. Ça, c'était dans les deux poules. Mais le troisième poule, plus question de ça. Je parle. Mais ta condition de vie n'est pas normale. Ta condition de vie. Frère Branham me dit, le corps de l'homme a été créé pour être comment? Bon, maintenant, si tu n'es pas heureux, là où tu es, tu n'es pas heureux. Mais contrôle, mon ami. Règne, mon ami. Crée, mon ami. Change ton environnement. N'attends pas Dieu. Quand Dieu avait donné la responsabilité à Adam, Adam n'attendait plus Dieu. Adam avait déjà le pouvoir. Lui, il devait parler. Nous ne sommes plus au Dieu, aux Awapi. Ah, pourquoi crier, pourquoi crier, Frère Branham me dit, Dieu ne veut pas voir ses enfants mal à l'aise. Bon, mais toi, tu es mal à l'aise. Hein? Tu es mal à l'aise. Jésus était mal à l'aise. Il avait faim. Il a maudit le figuier parce qu'il n'y a pas de fruits. Branham était mal à l'aise. Il avait faim. Il a créé ses écuries. Bon, maintenant toi, tu es mal à l'aise. Tu n'es pas encore marié. Mal à l'aise. Hein? Hein? Tu ne vis pas la parole. Mal à l'aise. Tu fais des cauchemars. Mal à l'aise. Tu fais des mauvais rêves. Mal à l'aise. Mais toi-même ce matin, ce soir, tu dois créer une bonne vie. Tu dois parler. N'accepte pas la mauvaise condition. Dieu ne veut pas te voir mal à l'aise. C'est que toi-même tu veux être mal à l'aise. Commence à créer par la parole. Après cette réunion, c'est pour cela que tout ça j'ai arrêté. Priez pour moi. Priez. C'est fini. On doit parler. D'abord, deux manifestations. Quoi? La création des écuries deux fois. Parce que Branham était dans un besoin. Et toi, tu es dans le besoin. On t'a amené à prier, prier. C'est comme une sœur. Elle a prié, elle a gêné, elle a prié, prié. Les esprits venaient toujours tourmenter. Et moi, je suis un peu noir. J'ai dit, c'est comme ça. Je fais la prière. Je ne sais pas si prière ou parler. Je fais la prière. La chose a disparu. Il dit, ah, moi j'ai fait des mois de vœux de prière, rien. Mais toi, quelques minutes seulement, la chose est partie. Cela veut dire que ce n'est pas beaucoup de prières. Regarde l'église, les réveils, ils ont amené les gens dans... C'est l'esclavagisme, ça, là. Cours de prière, veillez de prière, affirmissement, délivrance. Batongo, parce qu'il a délivré. Les mêmes personnes qu'on délivre, les mêmes personnes. Enseignez ces hommes-là qu'eux-mêmes sont capables pour qu'eux-mêmes se délivrent eux-mêmes. La colombe n'a pas besoin de se laver. La colombe n'a pas de bile. Il y a l'huile à l'intérieur.
Ah, dites amen à cela. Vivez la parole par vous-même. Qui croit qu'il est Dieu? Savez-vous, mes amis? Parce que Dieu ne fait pas de spectacle. Hein? Et Branham dit que ça ne sera pas aussi une démonstration publique. Les écureuils n'ont pas été créés à l'église. Les cinq manifestations que je vais vous parler, c'est en dehors des églises. Pas l'église. En dehors de l'église. Si c'était la démonstration publique, j'allais même dire, éteignez la lumière, je veux m'allumer mes amis. Moi je crois que je peux m'allumer. On éteint les lumières, je me concentre. Comme Branham, je m'allume. Ah, voilà. Vous ne croyez pas? Ah, voilà. Voilà. Ah, oh. S'allumer. Tel que je suis ici, je peux disparaître. Et je repars à chez moi à la maison. Si Philippe, avec le baptême du Saint-Esprit, sans le livre, il a baptisé l'eunuque éthiopien. Il a disparu. Se retrouve ailleurs. Aujourd'hui, les gens même ne croient pas à la disparition. Aux bébé pentecôtistes. Si Philippe, son livre, a disparu. Parce que ce n'est pas une démonstration publique, mes amis. Mais un fils de Dieu, c'est un tout-puissant. Frère Branham dit. Quand les deux omnipotents se rencontrent. Donc Dieu est tout puissant. Toi tu es tout puissant. Le troisième poule, ce n'est pas la réunion de Branham. Ce n'est pas la religion de Branham. Mais on prend Branham comme gerbe. Hein? Et là où Élisée a terminé, c'est là où Élie commence. Non, là où Élie termine. William Branham a terminé où? Et-il? Nous allons commencer où? Là où Moïse a terminé, c'est là où Jésus a commencé. Là où Jésus a terminé, c'est là où Pierre a commencé. Et là où Branham a terminé, nous n'allons pas partir imposer les mains et faire des prophéties. Je vois. Je suis en train de voir. Nous n'allons pas partir là-bas. Nous allons parler. Pas je vois. Je parle. Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? C'est la théophanie qui dit amen. Le troisième poule. La voix ne sortait pas du dehors. Du dedans. Le corps de l'homme est le troisième trône de Jéhovah. Dieu est dans le corps de l'homme. Dieu n'est pas dans un pasteur. Dieu n'est pas dans le dans Branham. Dieu est dans le cœur. Il était dans William Branham. Il était dans Jésus. Il était avec Moïse. Pardon. Mais aujourd'hui, il est en vous. Mets-moi d'abord la citation. Yes, yes. Tous les regards vers Jésus. Frère Rodney, frère Charlie du Kentucky, le frère de sœur Wood et les autres étaient présents au moment où c'est arrivé dans le Kentucky. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Simplement créé par la parole des choses qui n'existaient pas. Voyez, ce qui exprimait continuellement et confirmait les Écritures encourageait. Le troisième poulet ici. Créer des choses qui... La foi parfaite. Maintenant, vous allez voir ce qui vous manque. Regardez ce qui vous manque. Bien. Maintenant, souvenez-vous qu'il avait la puissance
Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons juste quelques jours avant. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'église, l'épouse aujourd'hui. Arrête-toi d'abord là. Vous savez pourquoi il dit ça? Nous aussi, Dieu nous a donné la puissance. Mais il manque la foi. Un bardin, si tu crois que tu n'es plus malade, tu ne seras plus malade. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Ne crois pas que tu es idiot. Ne crois pas que tu es maudit. Ne crois pas que tu es fini. Non. Tu as une puissance. Maintenant, utilise la foi. Vas-y, mon ami. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Faut de la foi pour l'animer. Branham a dit le Saint-Esprit au ciel. La personne du Saint-Esprit est ici. Quand l'ange était descendu, il n'est plus reparti. Il est ici. La puissance là est ici. Par la puissance de la Pentecôte, de la création, est ici. Et si tu as besoin de quelque chose, je peux aussi prononcer la parole. D'abord ici, toi-même prononce la parole. Et crée ce que tu veux. Dites amen à cela. Ce que tu veux. Mes amis. Branham dit dans les sceaux, il y a une sanctification mystérieuse. Je ne viendrai pour vous prêcher. Laissez de fumer. Laissez de voler. Ça c'est terminé. Quand quelqu'un comprendra qu'il est Dieu, Dieu ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne commets pas adultère. Je ne triche pas. Je suis Dieu. Je dois me comporter comme un Dieu. Voilà la sanctification mystérieuse. On ne doit rien te dire. Mais toi-même, tu vivras la parole. Sans un homme. Dites amen. Dites encore amen. Troisième manifestation du troisième pôle. Voilà. Ça, j'aime ça. William Branham crée les écureuils. Il ne va pas à l'église pour en témoigner. Parce que ce livre est ouvert après que les âges de l'église et des dénominations sont terminés. William Branham va chez la sœur Attiroite. La création des écureuils, c'est dehors. Parce que Adam n'avait pas d'église. Le troisième pôle ne sera pas manifesté dans les églises. Branham a dit, quand il y aura la pression écuménique, quand les églises seront fermées, c'est à ce moment-là que ça se manifestera dans sa plénitude. Donc ça sera en dehors des églises. C'est pour cela que les membres des églises, ils sont déjà d'aller. Mon pasteur à moi, c'est un tel. Les gens qui se battent pour les églises. Ils aiment les intérêts des églises. Mais ici, c'est les citoyens du royaume. Le rassemblement des fils et filles de Dieu. La conférence des fils et filles de Dieu. C'est la sainte convocation. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas d'ordre. On rentre par prédestination. Même si tu finis de vivre mal, tu rentres ici. On va te laisser. Parce que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pratique la justice. Dites amen à cela. Ce n'est pas l'évangile où on force les gens. Dites amen. Ok. William Branham va chez la sœur Hatti. Le diacre était là. Il ne va pas au Branham Tabernacle. Il dit, j'ai créé les écureuils. J'ai prononcé la parole. Je crois que le troisième pôle commence.
Sœur a-t-il apprêté à manger pour faire Branham? Elle avance. Faire Branham, c'est l'exacte vérité. Quand vous dites Amen au troisième poule, quand vous dites Amen au troisième poule, quelque chose doit se produire. Troisième manifestation, c'est l'exacte vérité. Frère Branham dit, la même voix qui m'avait dit de créer les écuries, il me dit, donne-la ce qu'elle veut. Donne-la ce qu'elle veut. Il dit, sœur Ati, tu as prononcé la parole juste. Tu as dit Amen au troisième poule. Même Léon Mercier, ton Isabelle, ne croyez pas que j'avais créé. Mais toi, tu crois. As-tu demande ce que tu veux. Au troisième poule, on ne dit pas prie. On ne dit pas jeûne. Demande ce que tu veux. Dites Amen. Est-ce que vous croyez que le troisième poule est ici? Est-ce que vous le croyez? Vous croyez à la création? Ok. Alors, si tu es comme Ati, pour la troisième fois, frère Branham dit, demande ce que tu veux, Ati. Je le dirai après toi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Là, ce n'est pas Branham qui doit dire. Mais Ati doit parler. C'est que vous avez aussi un mot à dire. N'attendez pas. Dites Amen. Dieu n'a pas dit à Branham, donne-la. Mais Ati doit parler. Parce que c'est elle qui croit. Maintenant écoutez mes amis. Le troisième poule, c'est le huitième jour. Le troisième poule, c'est le septième saut. Le troisième poule, c'est l'Apocalypse 10. Dites Amen. Quand Dieu descend, parle, et toi tu dis Amen, c'est la vérité à la création. Demande ce que tu veux. Maintenant écoutez. Écoutez mes amis. Frère Branham dit à Ati, demande, mais Ati dit, frère Branham, qu'est-ce que je dois demander? Frère Branham dit, Ati, c'est pas moi qui va parler. C'est toi qui dois parler. Et moi, je vais le répéter après toi. Amen. 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 Ça vient. Dieu m'a dit, Jonas, parle. Ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Qui croit? Qui croit? Jonas, parle. Ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Je répète. Si c'est Dieu qui a dit, il faut qu'il y ait des sœurs à toi qui doivent aussi croire que c'est l'exacte vérité. Alors frère Branham dit à la sœur Ati, demande ce que tu veux. Maintenant écoutez mes amis, pas d'ordre, pas de loi, pas de rituel. Oh! Or le baptême du Saint-Esprit, il faut jeûner, il faut prier. Dites Amen. Mais ici, sœur Ati dit, la vie de mes deux fils. Les deux fils, je ne sais pas s'ils venaient de boire ou de fumer. Les deux fils se moquaient de William Branham. Ils n'étaient pas dans une bonne condition. Or, le baptême du Saint-Esprit, pour le recevoir, il faut une préparation. Mais ici, au troisième pôle, pas de préparation. C'est pour cela que je m'adresserai à une sœur qui est venue ici pour la première fois. Je m'adresserai à un frère qui est venu ici pour la première fois. Je ne veux pas regarder ce que tu es. Mais si tu crois ce que je dis, je te demanderai de demander ce que tu veux. Si Dieu te le donne pas ce qu'il ne m'a pas envoyé.
mes amis, sera-t-il dit la vie de mes deux fils? Quoi? Le deux fils qui ricanaient, païens? Parce que dans le huitième jour, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, pas de rituel. Je ne regarde pas tout ça. Il dit, sera-t-il? Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Reçois tes deux enfants. Ces deux enfants reçurent le Saint-Esprit. Sans prière, sans baptême. Dieu voulait montrer quoi? Au commencement, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais c'est la foi. Et toi aussi ce soir, si tu crois ce que je te dis, écoute-moi très bien. Si tu crois que Dieu m'a dit, parle, ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Écoute-moi très bien. Si tu le crois, maintenant que je parle, demande ce que tu veux. Parle maintenant. Demande ce que tu veux. Même dans ton corps, dis-le seulement. Et le Saint-Esprit qui m'a dit de parler, je veux parler. Nous ne sommes plus dans l'histoire. Avant-hier, avant que j'aille prêcher le dimanche chez le pasteur Germain, j'étais dans mon bureau. Mon épouse dehors, elle écoute la voix. C'est moi qui l'appelle. Elle court vite à la fenêtre. Chérie, tu m'as appelé. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Nous sommes au temps où Dieu peut prendre la voix de quelqu'un. Nous sommes au temps. Amen. Écoutez, mes amis. Savez-vous que Frère Branham dit, quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Frère Branham dit, c'est pas l'ange de l'Éternel, l'ange là que vous pensez. C'est votre propre théophanie. Le vrai toi-même te protège. Parce que vous n'êtes pas encore conscient. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire, frère Bateta, je crois que c'est la vérité. Donne-moi ceci. Je ne l'ai pas reçu. Bon, je continue à prêcher. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à temps où l'homme doit parler et les choses viennent à l'existence. Le troisième poule. Oh, ah, beaucoup malembe. Hein? Le troisième poule. Le troisième poule. Si le troisième poule est ici, c'est qu'il doit avoir des créations. Il doit avoir des créations. Qu'est-ce que vous voulez? Bien. Vous savez, le pentecôtisme, il ne voit que la guérison du corps. Je veux vous citer des choses que tu peux créer par la parole. Branham a cité ça à la sœur Atiroite, mais sœur Atiroite, parmi tout ce que Branham avait cité, Ati n'a pas choisi quelque chose. Donc toi aussi, tu peux maintenant choisir tout ce que Branham a cité. Et tu choisis ce que tu veux créer. Question réponse sur le Saint-Esprit. Suivez maintenant. Parce que, mes amis, Frère Branham dit la foi parfaite, les gens te verront que tu es mystique. Mais n'engene ni ba frère un message à basa mystique te. La foi parfaite. Branham dit quand quelqu'un a la foi parfaite, quelqu'un, il est mystique. Mystique. Bon, nous sommes seulement là dans les églises. Nous voulons voir les gens mystiques. Moi, quand les gens disent que Bateta est compliqué, hein, je suis très content. Ah, Bateta est mystique. Bateta là, oui, je suis mystique. Plus mystique que les sorciers. Plus mystique que les magiciens. Frère, nana ko banga moto au physique moi, ah, il peut être me taper avec le coup de poing. Mais na banga moto ya esprit. Je ne fuis pas malgré tes incantations. Tu fais tomber, le feu tombe comme
ça. Je ne te fuis pas. Parce que celui qui est en moi. Mes amis, ah, je vais déclarer ça. Les démons ont une théophanie noire. Un fils de Dieu a une théophanie lumière. Bon, entre moi, qui aura peur de l'autre? C'est la lumière qui chasse le ténèbre. Mets-moi la station, frère. C'est pour cela que je peux dormir aussi sans prier. Mais je crois seulement que l'ange est là. Je crois, parce que je ne prie pas, mais je crois que Dieu est là. Eh, mais tu t'amènes, mais... C'est ce que tu crois, non? Je ne prie pas, mais je crois. Mais attention, je n'ai pas dit de ne pas prier. Hein? Écoutez. À T. Wright, l'autre jour, elle n'avait rien demandé. Maintenant, nous allons citer ce qu'elle n'a pas demandé. Elle était simplement assise là. Mais elle a dit la chose juste. Et cela a plu au Saint-Esprit. A plu à qui? À qui? Donc le Saint-Esprit aujourd'hui se plaît de ceux qui croient à la création. Parce que... Non, non, non. Au retour, à parler, il a dit, demande ce que tu voudras. Quel que soit ton problème et quel que soit ton désir, tu verras ceci est une réalité ou pas. Demande n'importe quoi. Il commence à citer. La guérison de ta jeune sœur infirme assise là, invalide. $10,000. Donc, dans le troisième pôle, la création, pas seulement la guérison. Aux âmes bola, tu es pauvre. Les $10,000 là, que Branham n'a pas demandé. Ne rentrez pas dans les loges. N'allez pas dans les loges. Ne soyez pas des gens qui vont vendre je ne sais quoi. Ne vends pas ton âme pour l'argent. Dieu peut te donner l'argent quand tu parles. Oh non, Dieu ne donne pas l'argent. Ça y est là. $10,000. Moi, j'avais dit, et je le crois jusqu'à nos jours, j'avais dit à Dieu quand j'ai cru ce message, j'ai laissé la musique. Nous étions parmi les premiers groupes de rap ici à Brazzaville. J'ai laissé. Mes amis sont partis aux États-Unis. Les autres en France, ils sont venus me voir. Je leur ai dit, moi, j'irai partout avec la Bible. Quand j'étais au village, j'ai dit, Dieu, je ne voudrais pas que les gens se moquent de mon Dieu. Que quand mes amis là ont fait la musique, ils reviennent au pays. Ils viennent me trouver pauvre. Ils ne vont pas respecter mon Dieu. J'aimerais quand ils reviennent ici, ils me trouvent véhiculé. Que je mange bien comme eux là-bas en Europe. Que je dorme bien. Pour que les gens croient à ce Dieu. Dites amen à cela. N'est-ce pas, j'ai fait 2 ans sans prêcher. Hein? Mais comment j'ai fait? Je vis où? Pas en Batignolle. 2 ans. Dieu est Dieu, mes amis. Même maintenant que je parle, il peut te créer l'argent dans ta poche. Oh, oh. Les gens pensent que c'est seulement les magiciens qui font ça. Au troisième poule, c'est possible. C'est pour cela que Branham avait raison. Il a dit, tu ne peux pas enseigner ces choses aux bébés pentecôtistes. Ça, si tu es bébé, vertige. Créer de l'argent, Dieu, oui. $10,000 pour ne plus avoir à bêcher dans ces collines là-bas. Que la jeunesse revienne dans son pauvre corps épuisé. On dit Maca. Vous êtes venu dans le message, vous pensez que le message c'est le pentecôtisme. Hein?
Hein? Ton corps là, ton corps qui est vieux, dans le troisième époux, si tu parles, tu dis je veux me rajeunir. Voilà, Branham appelle ça le mysticisme. On a prêché les enfants de Dieu les petites choses. Nous ne sommes plus autant des petits oiseaux, ni aux colombes, mais nous sommes autant des anges. Le premier poule, des petits oiseaux, la guérison. Deuxième poule, les colombes, baptême du Saint-Esprit. Troisième poule, les anges. Oh, les anges sont dans la théophanie. Et aujourd'hui, il est question de la théophanie. Et le Fils de Dieu, c'est la théophanie. Et celui qui parle, c'est la théophanie. La chair et le sang ne peuvent pas créer. Dites amen. Ça, c'est un serviteur. Donc, je peux faire rajeunir mon corps. Si je veux. Je peux faire de sorte que toutes les maladies me quittent. Mais je dirais juste une chose. Est-ce que c'est ta volonté? Si c'est le temps qu'il me retire, qu'il me retire. Mais si il... C'est là que je vous ai dit que ce n'est pas une démonstration publique. Ça, vous ne verrez pas ça à l'église. Mais un fils de Dieu sera seul. C'est l'expérience de David en dehors de ses frères, de son père le pasteur et de sa maman l'église. Où il a tué l'ours et l'ours, l'ours et le lion, sans que les parents soient au courant. Là, tu arrives dans la matière de l'épouse. Tout ce qu'on vous prêche là, les tralala, c'est des tralala. Ça n'a rien à voir. Voilà. Demandez-le tout de suite. Et voilà. Demande-le tout de suite. S'il ne vient pas tout de suite te le donner, alors je suis un faux prophète. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Donc, tel que nous sommes ici, rien n'est impossible quand on prononce la parole. Même l'argent. C'est là où quand je vous vois là, Miara, Miara. Non. Mes amis, marche tête bombée, torse bombé. Mes amis, je n'ai jamais dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur, ou même deux ou trois, si je suis passé dans l'épreuve là où tu es passé, j'allais faire un AVC. Je ne l'ai pas supporté. Mais je n'ai jamais dit que Dieu m'a abandonné. Zéro. Dieu connaît toutes choses. Voilà votre troisième manifestation. Quatrième manifestation. Ah! Toi, qu'est-ce que tu veux? Personne n'a parlé. Donc, même mes enfants n'ont pas parlé, mon épouse. Personne n'a parlé. Moi, j'allais parler après toi. Dans le cœur, hein? Ah, mais as-tu devrais prononcer, hein? Pas dans le cœur. Parle, je le dirai après toi. Dites amen. Vous savez c'est quoi, mes amis? À l'époque, quand je prêchais le Fils de l'homme, ici, on m'appelait qui? Adorateur, n'est-ce pas? On a prêché tout, hein? Ceinture de Branham. On a prêché la période de Branham. Mais on a compris que ça, c'est faire la religion. Mais quand les sauts souffrent, c'est le temps de la manifestation du Fils de Dieu. Et on doit prêcher le troisième pôle. La vérité. Vous connaîtrez. Donc ce soir, tu connais la vérité. Et la vérité te rendra libre. Ce que je dis, mes amis, c'est ça qui te rend libre. Tu ne dépendras plus de personne. Non! Non! Tu dis non, non, mais non. Ou j'ai cru, ou je n'ai pas cru. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné, mes amis. L'argent, le corps. Mais les gens, je dis, les miomes, oh, les moutous passent, oh, les colos. On a vu des créations, les miomes devenir un enfant. Vous ne le connaissez pas? Miom devient un enfant. On voit l'échographie, on ne voit rien. Malade, on vient me voir.
pasteur m'a donné les flacons, on va m'opérer, j'ai des miens, le médecin dit. J'ai dit, jette ça. Crois que je suis un homme de Dieu. Priez. Les miens m'ont échangé. Ils ont un enfant. Mes amis, nous sommes au temps de la création. N'accepte pas que tu es maudit. À l'ouverture des seaux, d'abord il n'y a pas de pécheur. Si je suis pécheur, donc Jésus est mort en vain. À la croix, il a pardonné le péché au double. Passé, aujourd'hui, au futur, il a déjà pardonné. D'abord, je vais plus loin. Il a déjà quitté le trône aussi. Donc le problème du péché est réglé. Et je suis pur. Hein? Je ne prêche pas au pécheur. Les deux enfants de la sœur à Tirouette n'étaient pas des chrétiens. Mais à cause de la foi de leur maman qui croyait l'ouverture de la parole ou la création. Les deux enfants reçurent quoi? Mais alors, toi aussi, Dieu c'est comme ça qu'il a voulu parler ce soir. Toi aussi ne regarde pas ta condition. Nous sommes dans le huitième jour. Pas de loi. Pas d'ordre. Dites amen. Bien. Maintenant je vais atterrir. Quatrième manifestation. La tempête calmée. Frère Branham était en train de fuir la tempête. La météo avait dit qu'il devrait quitter sur la montagne de Colorado, dans la forêt de Colorado. Eux, ils n'étaient pas au courant. Blizzard, le vent, neige. Frère Branham commençait à fuir. Il commençait à fuir pour partir voir ses frères et partir. La voix lui dit, hé, hey, tu vas où? Frère Branham, mets la voix à la sorte. Je suis le créateur des cieux et la terre. Frère Branham nous lève le chapitre. Il dit, Seigneur, c'est toi. Je suis celui qui avait calmé la tempête au temps de Jésus. Parle à cette tempête. Dieu ne dit plus, lui parle. Parce qu'il sait que les seaux sont ouverts. Le livre est remis. Quand il avait donné l'autorité à Adam, c'est Adam qui devrait parler. Il dit maintenant, William Branham, parle à la tempête. Il tourne comme ça. Il regarde. Il dit, tempête, arrête-toi. Soleil, lève-toi, nous allons chasser. À l'instant, crac, 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 le soleil s'est levé. S'il y a eu des tempêtes dans ta vie, tu avais peur des tempêtes dans ta vie, ce soir tu peux calmer n'importe quelle tempête. Il y a eu quelle tempête? Dis ta mal. Moi aussi j'ai eu ma tempête, mais ça a été calmé. Quelle tempête que tu as dans ta vie? Parle à cette tempête. Toi, tempête, arrête-toi. Soleil de la justice, lève-toi. Durant tout ce temps que je serai ici. C'est comme ça, mes amis. Tout ça, c'était des types. Si tu as la tempête, tu peux aussi arrêter la tempête. N'importe quelle tempête dans ta vie. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a amené une femme, un frère, une soeur qui est dans le message. Je l'avais juste témoigné, ce que Dieu fait dans le petit ministère que Dieu m'a donné. Le pasteur là, tellement qu'il a la foi, il a confiance, il m'a amené un couple. Le couple là, ils ont fait 15 ans sans enfant. Ils sont partis à Kinshasa, on a dit, le frère ici ne peut pas mettre au monde. On leur a parlé, le pasteur leur a parlé de moi, ils sont venus à la maison. Je n'ai même pas demandé, ils prient où? J'ai dit, est-ce que vous croyez? Vous croyez oui, vous croyez oui. J'ai fait la prière. Là où nous parlons, là, la femme est enceinte. À cause de ce témoignage, le pasteur là ne me fait que m'amener les femmes stériles à la maison. Un deuxième couple est venu. J'ai prié. Troisième couple est venu. Je ne demande pas. Les deux couples qui sont venus
pour la deuxième, troisième sont des païens. J'ai prié pour eux. Il faut que les gens voient qu'il y a un Dieu quelque part. Chaque tempête doit être calmée. Tu t'amènes à cela? Vous savez, il y a des gens qui ne se croient même pas en soi-même. Qui ne croient même pas qu'il est fils de Dieu. C'est grave. Tu ne peux pas avancer si tu ne crois pas que tu es fils de Dieu. Tu n'avanceras pas si tu ne crois pas que tu es fille de Dieu. D'abord, crois. Alléluia. Je suis parti dans un couple. Il y avait un chat chaque fois qu'il venait pleurer, pleurnicher la nuit, pleurnicher la nuit. Et ils ont prié, ils ont fait tout. Le chat là continue à pleurnicher. J'arrive là, en parlant, il y a un chat qui vient. J'ai dit, le chat, comment? Ouvre la porte, je mets des bougies. Chat, ne reviens plus ici. On ne veut plus te voir venir pleurer. Les gens tordent et toi tu viens. Tu es un animal, pas ici. Deux jours après, silence. Trois jours après, silence. Une semaine, le chat commença à passer de l'autre côté sans miauler. Le chat a reconnu la voix. Maintenant, tu as quelle tempête, toi? Dites amen. Dites encore amen. J'ai déjà vu un arbre qui ne produisait pas les fruits. Je viens, je mets la main. Je dis, l'arbre. Ça, c'est Odiba. À l'époque, j'ai posé trop les mains. Je suis fatigué d'imposer les mains. L'arbre donne les fruits. L'année prochaine, c'était Boti Bambouma. Quelle tempête que tu as. Oh, tout ce que je témoigne, c'est pour te montrer. C'est dans ce jour que nous sommes. Que tu peux parler. La voix ne t'a jamais... Mes amis, Dieu n'est pas dans les grandes choses. Si Dieu t'a pu délivrer dans une petite chose, que toi tu appelles petite, mais pour Dieu c'est grand. Donc s'il a fait ça, il ne peut pas faire l'autre chose. Parle. Je vais arriver. Hein, Sheridan, tu comprends maintenant pourquoi tu m'avais donné ce que tu m'avais donné là. C'est ce que je vais utiliser ce matin, ce soir. Parle. On a enseigné la prière. On a enseigné à faire des prières. Mais on n'a pas enseigné aux gens de parler. Quatrième, la tempête calmée. Cinquième, je vais maintenant terminer. Cinquième, la guérison de la sœur Meda. Meda a eu la tumeur. Frère Banam dit, pour partir à l'hôpital, on devait la soulever. Elle marchait en dandinant comme ça. On l'a mis, Frère Banam, à genoux, priant. La voix lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, c'est moi-même. Hein? Parle. Parle. Frère Banam s'est mis debout. Il dit, avant que le médecin ne mette sa main, que tu mettes ta main, que la tumeur disparaisse. Frère Branham dit, quand j'ai parlé, j'ai dit à Billy Paul, allons-y, je me suis préoccupé de ça. C'est Meda elle-même, quand le médecin vient encore pour regarder, la tumeur a disparu. Le médecin dit, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Meda appelle Frère Branham. Et dans ce ministère, une sœur aussi avait quelque chose dans son corps. Elle va à l'hôpital là-bas. Les sages-femmes bousculées. Mais comment tu vas faire? Mais comment? On va t'opérer. Ça, c'est quoi? C'est le cancer. Ou c'est quoi? Prière. Elle va à l'hôpital. La chose disparaît. La sage-femme dit, c'est parti où? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais mes amis, Dieu de Branham n'est pas mort.
la femme de Sister Eric. Pas de prière au téléphone. Le temps où le Covid faisait rage là, elle est enceinte. Elle ne pouvait plus. Son mari dit que mon épouse va mourir. J'étais à point noir. Je dormais, je me réveille. Quelque chose me dit, appelle la sister Rick. Je l'appelle. Oh, ici, ma femme, vraiment, la nuit, on n'a pas dormi. Je dépasse le téléphone. Il dit, écoute-moi. Maintenant que je parle, crois que tu es guéri. La toux, ou quoi, et tout ce que tu sens, c'est fini. Guéri instantanément. Sans prière. Parlez juste. Ce qui fait ça, on vous a trop amené à prier. Et vous ne croyez plus ce que vous êtes. Dieu, ne priez pas. Parlez. Le Fils, parlez. Écoutez mes amis. C'est pour cela que Jésus avait dit, ne maudissez pas, bénissez. Il savait que le Fils de Dieu aura le pouvoir. S'il te maudit, tu es maudit. S'il te bénit, tu es béni. Alors soyez bénis. Ne maudissez pas. Alors moi, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Jésus le savait. C'est pour cela qu'il avait dit, par tes paroles, tu seras justifié. Il n'a pas dit par tes prières. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, il y a le pouvoir dans la parole. Que vous ignorez. On vous avait volé ça. C'est là où je vous ai dit que la prière, c'est la volonté permissive. La prière, le diable sait très bien qu'avec la prière, si quelqu'un ne croit pas pour lui, il sera toujours un prisonnier. Mais il doit croire ce qu'il est. Croire ce qu'il fait. Ah, dites amen. Dites encore amen. Qui croit qu'il est Dieu? Qui croit qu'il est tout puissant? Qui croit que rien n'est impossible à lui. Alors, mon cher ami, à partir de ce soir, n'aie plus peur de rien. Je veux conscientiser ta théophanie. Que ta théophanie soit consciente. Ceux-là que tu avais peur, c'est eux qui doivent avoir peur de toi. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pas moi qui peux partir consulter les charlatans. Non. Je suis fils de Dieu. Je ne peux pas partir consulter les démons. C'est eux qui doivent venir me consulter. Moi, je vous avais dit ceci. Je n'envoie pas les gens à l'hôpital. C'est l'hôpital qui m'envoie déjà. Quand là-bas, ça ne marche plus. Ils envoient chez nous. On lui appelle Dieu quand l'homme s'arrête. Quand l'homme n'arrive plus. C'est là où Dieu agit. Je vais maintenant terminer. 5, j'ai déjà fini. Maintenant, je vais dire quelque chose et vous prononcer les paroles. Bien, allez-y. Et pendant que j'étais assis là, non. 5e. La tempête pour gagner le temps. Ok, vas-y. Suivez très bien. 5e. Non. Ça, c'est la dernière citation. Tournez, regarde vers Jésus. Attends, je te donne la référence. Ok. 180, 181. Tournez, regarde vers Jésus. Bien. Qu'est-ce exactement selon la parole du Seigneur? Qui? 3 points. Amen. Ça, c'est la 5e fois. C'est le nombre de la grâce. C'est aussi le nombre de la foi. En anglais, faith. Il n'y a plus de doute dans mon esprit. Je sais que le troisième pôle est, je sais ce qu'il fait.
doute dans mon esprit. Je sais ce qu'est le troisième poule et je sais ce qu'il fait. Toi aussi ce soir, il n'y a plus de doute dans ton esprit. Tu sais ce qu'est le Alléluia, le troisième poule et ce qu'il fait. Bien. Je vais terminer par ceci. Écoute maintenant ce que Dieu t'avait donné. L'univers est une maison magnétiquement électrifiée dont les interrupteurs ne reconnaissent que le code de la parole parlée. Je répète. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifié dont l'interrupteur ne reconnaisse que le code de la parole. L'univers ne reconnaisse pas la prière, parce que quand Dieu créa le monde, le code, c'était la parole. Il dit amen. L'arbre, le code qui reconnaît, c'est quand tu parles. Même les animaux, ils ne reconnaissent que. Voilà le seul code. Même le diable connaît ça. C'est pour cela, il vous empêche de parler. Voilà le code. La prière et la volonté permissive. Et Branham a dit, la parole parlée et la semence. La parole parlée et la semence. Donc, pour que l'univers lâche, cède, il y a un code. C'est le code que Adam avait. Et c'est ce que Branham a dit. Il dit, je sais ce qu'est le troisième poule et je sais ce qu'il fait. Frère Branham dit, quand il y aura la pression écuménique, où les tabernacles seront fermés, si à ce moment-là, vous verrez le troisième poule se manifester dans sa plénitude. Mais avant, quand on parle plénitude, c'est que le monde entier, tous les fils et filles de Dieu. Mais j'aimerais d'abord qu'ici avec vous. Parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé dans le monde entier. Ça a commencé quelque part à la Pentecôte. Et nous n'avons pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais la puissance de Dieu qui vient vivifier mon âme pour que le Fils de Dieu parle. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifiée dans l'interrupteur. Vous voyez cette maison ici là, la salle où nous sommes. Si on était la lumière, si tu ne connais pas là où il y a l'interrupteur, tu vas tâtonner, il n'y aura pas de lumière. Mais si tu connais là où il y a l'interrupteur, tu vas appuyer, tu as la lumière. Et l'univers ne connaît que le code de la parole parlée. Parce qu'Adam parlait. À partir de ce soir, commence à parler. Quand ça ne va pas seulement prier, parle. Tu peux dire quelque chose et tu ne le vois pas à l'instant, mais continue à croire que la chose est là. Et ne doute pas. L'évangile de cette tonnerre
C'est l'évangile d'amener les hommes à reconnaître leur position qu'ils avaient perdue dans le jardin d'Éden. Où ils sont capables de calmer la tempête, de créer des choses qui n'existent pas, de parler et les choses viennent à l'existence. Aucune maladie ne peut résister. D'abord, le niveau de maladie est trop bas. Nous voulons créer des choses, créer même de l'argent. Oui, monsieur, dites amen. Quand quelqu'un jouait avec toi, ce soir, il ne doit plus jouer avec toi. Personne ne peut s'amuser avec toi. Non, monsieur. Non. Tu es Dieu. Et mes soeurs, écoutez-moi très bien. Ève et Adam, avant le péché, les deux avaient la même chose, même autorité. Ne pensez pas que c'est les hommes qui ont le pouvoir. Non. Crois et accepte. Maintenant, écoutez mes amis. Dites-moi mes chers amis. Branham dit que l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Mais nous avons dans la Bible un livre et un chapitre qu'on appelle les héros de la foi. Dans Hébreux, on ne parle pas par la prière, par les jeûnes, par les veilles de prière, mais par la foi. Ces hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Ces hommes étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Mais ils ont laissé un témoignage par la foi, Enoch, par la foi, Abraham, par la foi, Sarah, par la foi, Rahab, par la foi, un tel. Or, ça, c'est la foi de l'Ancien Testament. Maintenant, on doit écrire un nouveau livre. Ça ne sera pas Hébreu. Mais le livre de l'épouse, chapitre 8, l'éternité, par la foi, le frère est-elle à créer, par la foi, la sœur est-elle à calmer la tempête, par la foi, le sœur est-elle, dites amen, dites encore amen, dites encore amen, recevez les tonnerres. Attendez, c'est ce que vous écoutez maintenant. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre ses voix. Vous écoutez les voix des tonnerres? Vous écoutez les voix des tonnerres? À ce groupe de gens qui pourra prendre la parole, ce que je viens de prêcher, et la manier. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Moi j'avais dit à ma famille, mon Dieu ne sera pas honteux. Je ne donnerai pas honte à mon Dieu. Non! Non! C'est vous qui viendrez vers moi. Pas moi vers vous. Comment vous des dieux, vous les dieux, et les démons jouent avec vous? C'est pour cela que quand tu dors, tu fais un mauvais rêve. Réveille-toi, dis comment? Moi, fils de Dieu. Et le diable veut faire comment? Faut vous révolter. N'acceptez pas. Refusez les choses. Attendez que les sept tonnerres fasse entendre ses voix. C'est aujourd'hui. À ce groupe de gens qui pourra prendre la parole et la manier. Parle. 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 Amen. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit.
La lumière n'était pas venue. Mais Dieu croyait que la lumière viendra. Et il revient, la lumière est venue. Moi aussi, tout ce que je dis, je dois croire. Qui est malade? Si tu es malade, maintenant, je dis à cette maladie, par la commission qui m'a été donnée, de parler que je ne m'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Maladie, sors de ce corps. Va-t'en. Si quelqu'un était délivré par la voix des tonnerres, reçois ta délivrance. Sors de cette prison. Sors de la prison. Sors de l'incrédulité. Sors de là où tu étais. Toi qui étais bloqué, je te dis maintenant. Toi qui n'avais pas la solution, les cinq manifestations. Je crée ce que tu avais soif. Au nom de Jésus, reçois la chose. Vous tous qui êtes ici, si vous croyez comme la sœur à Tirouette, chacun de vous va enregistrer un témoignage. C'est de croire. Je ne dis pas prier, je parle de croire. Je ne dis pas prier. Crois là où tu es. Dieu ne veut pas te voir mal à l'aise. Ah, si tu es mal à l'aise, je te dis maintenant, tu seras bien à l'aise maintenant. Si ton cœur n'est pas joyeux, ton cœur n'est pas heureux, par l'autorité de la parole, Jonas parle, ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Que ton cœur reçoive le Saint-Esprit. Que ton cœur soit joyeux. Que ton cœur croit. 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 Amen. Je chasse le serpent. Le serpent qui t'empêchait de croire ce que tu es. Je chasse le serpent. Tous les esprits mauvais. Maintenant que je parle. Serpent. Esprit d'envoûtement. Esprit d'envoûtement. Esprit d'envoûtement. Je pars. J'ai reconnu le code. Que le cœur des fils de Dieu soit libéré. C'est le cœur qui croit. Que l'incrédulité quitte. Que le raisonnement quitte. Que le cœur des fils de Dieu soit libéré. C'est le cœur qui croit. C'est le cœur qui croit. Que le cœur des fils de Dieu soit libéré. C'est le cœur qui croit. C'est le cœur qui croit. C'est le cœur qui croit. Esprit mauvais, aujourd'hui, nous avons la connaissance de ce que Dieu a fait. Le troisième poule est ici. Nous avons la révélation que nous sommes de Dieu. Que nous avons un cœur qui doit croire la parole. Oh, Esprit de Dieu, toi qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Oh, Esprit de Dieu, viens te mouvoir dans le cœur. Oh, l'Esprit de Dieu, viens te mouvoir dans le cœur. Oh, Esprit de Dieu, viens te mouvoir dans le cœur. Oh, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu. Viens te mouvoir dans le cœur. Que le troisième époux. Troisième époux. Troisième époux. Troisième époux. Le troisième poule est ici. Que ça se manifeste dans votre vie. Que le troisième époux se manifeste dans votre vie. Dans votre propre vie. Allez-y créer. Dites amen. Allez-y créer. Dites amen.
Allez-y crier. Dites amen. Allez-y crier. Allez-y calmer la tempête. 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 Recevez. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez le troisième appui. La puissance créatrice. Recevez l'onction de la création. Recevez l'onction de la création. Recevez. Que Dieu vous bénisse.